What's up tout le monde, c'est Christophe. Aujourd'hui, on se retrouve pour les Breaking News. Pour juste une petite information à propos du jeu Black Ops 3 qui devrait normalement sortir en fin d'année. C'est vrai que, et là je vais vous montrer quelques images quand même sur l'écran, dont une image qui nous indique tout simplement une bêta pour ce jeu-là. Donc on a aussi les alpha, bêta, donc en gros ça permet un peu de régler tous les problèmes. C'est pas la, on va dire, la version officielle, la version complète. C'est-à-dire qu'on va pouvoir à peu près tester les choses et tout. Et s'il y a des petits bugs ou des trucs comme ça, bah ça sera tout simplement à modifier auprès des développeurs. Donc ça sert vraiment à ça. Et donc ici avec une date aussi sur l'écran, le 11-6-2015 qui a été annoncé. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que là on a du mal à voir, mais lorsqu'on zoome un peu en dessous de Treyarch chez Activision, on peut voir que la bêta sera disponible sur toutes les plateformes de jeux vidéo, enfin les nouvelles plateformes de jeux vidéo, et ça c'est très très agréable et très surprenant, parce qu'en fait sur les anciennes, jeux, on a souvent eu, on va dire, des sortes de petites priorités envers Microsoft, parce que en fait le jeu, voilà, ils ont des sortes de très bons liens en fait avec Xbox, donc Microsoft. Et forcément, à chaque fois, on se retrouve en fait avec des bêtas juste sur la Xbox One ou la Xbox 360, et c'était très agaçant. Mais là, ça fait plaisir parce qu'en fait, on a vraiment cette possibilité de tester cette bêta-là sur la plateforme PS4, enfin, en tout cas sur les nouvelles plateformes de jeux vidéo, donc la PS4, la Xbox One et aussi la plateforme PC. Donc ça fait super plaisir. Donc franchement, dites-moi ce que vous en pensez tout ça dans la barre des commentaires. Petite information qui fait plaisir, voilà, c'est un bon petit truc. Aussi, hier sur Facebook, ils ont affiché donc un tout petit trailer qui nous dit pas grand-chose, mais voilà. De toute façon, ils sont un peu obligés de faire ce genre de choses, de mettre en avant le jeu, parce que forcément il va sortir en fin d'année, il faut faire un peu buzzer pendant les mois précédents pour arriver à avoir un maximum de ventes. Excusez-moi de mon téléphone, c'est ma maman qui m'a envoyé un message comme par hasard. Chaque fois j'ai un message quand je fais une vidéo alors qu'elle dure que 2 minutes, donc ça c'est comme ça, c'est quand tu fais des vidéos, forcément tu reçois des messages, c'est à chaque fois c'est comme ça. Voilà, merci pour tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, faites comme vous voulez, de me suivre sur ma page Facebook aussi, et puis je vous dis à la prochaine pour des nouvelles vidéos informatives. Et puis j'ai vu que vous avez assez apprécié, et c'est pour ça que je vais continuer, sachant aussi que Black Ops 3, je vais vous donner mon avis après, lorsque j'aurai vu un peu plus d'informations, qui a l'air plutôt de m'intéresser. Voilà, peace out.